Soyez les bienvenus, Madame, merci de nous rejoindre. Bonsoir, bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde où vous allez suivre avec nous cette cérémonie d'ouverture des Jeux de la Francophonie. Nous vous retrouvons en plein cœur de la ville de Nice, sur la place Masséna, au moment où le président de la République française, François Hollande, vient de faire son arrivée à pied. Vous voyez, il est accueilli par différentes personnalités, des chefs d'État et de gouvernement qui sont ici à ses côtés. Il prend place. Vous le voyez, Abdou Diouf qui va l'accueillir, secrétaire général de la Francophonie, l'ancien président du Sénégal, les différentes personnalités que nous vous présenterons, le président Slimane, le président Macky Sall, président du Sénégal, et les cérémonies qui vont commencer. Nous allons vous faire vivre ce moment avec mon confrère et consoeur Gérard Herranz, qui a beaucoup travaillé avec la Francophonie, on parlera de la dimension sportive, et avec Nassif Atou Diouf, qui est également à mes côtés, qui est journaliste à la télévision. Vision Sénégal. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous. Alors, grand événement, Nafis Atou, que ces Jeux ici, puisque vous arrivez du Sénégal, où là, on attend beaucoup de choses, on attend une mobilisation. Tout à fait, une forte mobilisation qui a d'ailleurs commencé depuis plusieurs mois maintenant, annoncée. Vous me permettrez, Philippe, d'abord de vous remercier et surtout de dire combien je suis justement content de partager le plateau avec vous et avec Gérard. Alors, évidemment, revenir aussi sur les esprit des Jeux de la Francophonie, 3000 jeunes qui sont attendus. L'esprit, c'est d'abord, les Jeux sont l'expression de l'excellence francophone et constituent un tremplin pour les jeunes sportifs d'accéder à la renommée internationale. Tout à l'heure, on parlera justement de ces quelques exemples d'athlètes qui ont connu ici une renommée internationale. Naturellement, les délégations qui arrivent, Gérard Evans, c'est très particulier, c'est presque dans l'esprit olympique initial. Il y a des Jeux et une dimension artistique. Exactement, c'est une dimension qui est propre aux Jeux de la Francophonie, justement, les Jeux Olympiques de l'ère moderne, les Jeux du Commonwealth de l'ère moderne, ont oublié cette dimension culturelle. Les Jeux de la Francophonie ont cette originalité, je dirais, ce surcroît de qualité aussi qui fait joindre l'art président. Le domaine artistique, le domaine sportif, c'est Marc Maury qui sera le présentateur. Le défi va commencer. C'est le présentateur officiel pour expliquer un petit peu la cérémonie et expliquer au public qui sera nombreux. Alors, sur le site de la place ici, Masséna. Bienvenue à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des 7e Jeux de la Francophonie. Nous verrons les premiers Jeux de la Francophonie ont eu lieu en 1989 à Rabat, Casablanca. C'est Maroc qui avait accueilli cette première édition. 900 athlètes, 600 artistes, 39 délégations y ont participé. 6 éditions ont donc eu lieu depuis, le Maroc bien sûr, puis ensuite ce fut le tour de la France, Madagascar, le Canada, le Niger et enfin le Liban en 2009. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois au tour de la France et particulièrement autour de Nice d'accueillir les 7e Jeux de la Francophonie ici. Nous sommes sous la statue d'Apollon. Apollon, dieu grec du chant, de la musique et de la poésie, et en plus il est taillé comme un athlète. Ces Jeux de la Francophonie verront au programme, c'est fort à propos, vous allez voir pourquoi, parce que ces Jeux de la Francophonie verront au programme des compétitions, des épreuves sportives bien sûr, mais aussi culturel, mettant aux prises 2500 athlètes et artistes représentant 54 pays. À séparer, place à la cérémonie. Et avant d'accueillir les délégations, voici le drapeau des Jeux de la Francophonie porté par Denisois célèbre. Le jeune chef d'orchestre de 26 ans, Lionel Bringuier, accompagné de la championne olympique du 400 mètres l'an passé à Londres en natation, Camille Muffat. Au moment où je vous disais ça, bien, vous voyez qu'on va justement. Voilà, début en quelque sorte de Camille a aussi glané l'argent sur 200 mètres et le bronze pour 200 mètres aux Jeux Olympiques de Londres, ainsi que 4 médailles au championnat du monde en 2011 et cette saison en 2013. Lionel a dirigé le Los Angeles Philharmonic pendant 6 ans. Il va devenir directeur du Grand Orchestre de Zurich. Il a dirigé également les orchestres de Leipzig, Vienne, Axel, Sissé, Boston, Philadelphie.
Il n'a que 28 ans. Il est niçois. Il a commencé sa carrière ici. Maintenant, il mène une carrière internationale. Il a été chef d'orchestre des plus grands orchestres symphoniques du monde. Voilà les deux ambassadeurs, en quelque sorte, de ces jeux, avec le drapeau. Et on va assister au passage des délégations. Qui va se rapprocher un petit peu de chez lui. C'est le drapeau symbolique pour lancer ceux qui vont maintenant monter sur le podium. Avec, pour commencer, alors Gérard, le Liban qui arrive. Oui, le Liban qui était illustré devant son propre public en remportant un prix en littérature et en peinture notamment. Je ne sais pas s'il est possible de faire mieux que ce qui s'est passé à Beyrouth il y a 4 ans, mais en tout cas, si vous faites aussi bien, vous aurez réussi votre pari. Donc c'était un moyen de motiver tous les Niçois qui vont participer à l'organisation de cet événement. Et le Liban qui avait vécu en 2009 les Jeux de la francophonie, et c'est vrai que ça a été une belle réussite avec un très très beau village et des équipements complètement neufs, inaugurés presque pour l'occasion. Le Liban donc qui va avoir sur les stades, le Liban de défiler. Avec une symbolique très particulière puisque le Liban est près d'une zone de combat actuelle bien sûr. En dehors, ils seront assez nombreux. Cette 7e édition sera la première participation de la principauté intellectuelle, on va dire finalement, puisque on sait que certains. Elle est inscrite exclusivement dans les épreuves de judo. Donc les gens qui vont se distinguer grâce à ces judokas de qualité. Ils sont quatre à représenter la principauté d'Andorre. C'est la première fois qu'ils participent, mais petite délégation en nombre pour Andorre. C'est l'Arménie. Voici l'Arménie. La délégation est assez réduite. Voici l'Arménie. C'est la deuxième fois que l'Arménie participe au jeu de la francophonie. Depuis l'obtention de son statut de membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie en 2004, elle était présente à Beyrouth. Il y a 4 ans, et place ses espoirs cette année dans sa sélection lutte et judo. Ils seront 31 représentants l'Arménie. Qui n'ont jamais été dans cette colonie française, mais des pays qui souhaitent adhérer au mouvement de la francophonie pour des questions de partage de la langue ou pour des questions de valeurs, tout simplement. Voilà, vous serez l'Autriche est un état observateur de l'Organisation internationale de la francophonie et sera présente pour la toute première fois lors de ces jeux. Qui est pour la première fois, donc, et s'est inscrite dans plusieurs concours culturels de la et alignera des concurrents dans les concours de la chanson et de la photographie, notamment. Ils sont 8 représentants l'Autriche. À l'honneur. La langue française, comme elle est proposée, notamment aux jeunes en le Bénin. Autriche. On va passer maintenant au Bénin. Le Bénin en est à sa 6e participation et a déjà remporté 6 médailles. 9 millions de places sur le podium sont probablement. C'est un pays qui a accédé à l'indépendance grâce à Bohémie Yenko, au 800 mètres féminin. Et au vétéran Mathieu Nyadigo. Qui sont remportés par les pays, ils en ont remporté 6, puisqu'on parlait tout à l'heure des derniers jeux qui ont eu lieu. C'était donc, on le disait, à Beyrouth. Bon, les Français, très souvent, là, se tâtent, il y a la part du Lion, car évidemment, les Français avaient terminé premier avec 23 médailles d'or, 9 médailles d'argent, 17 de bronze, 49 médailles au total, mais le Maroc n'était pas loin, 47 médailles, moins de médailles d'or, c'est ce qui avait fait la différence. Voilà, et d'ailleurs, le Maroc avait fini en première position lors de la dernière édition des Jeux de la francophonie, qui a duré entre un pays du Nord et un pays du Sud, c'est le principe. La dernière fois qu'ils sont venus en France, c'était en 1994 dans l'Essonne, à Évry, et le Maroc devant la France. Quasi à l'origine, on va dire, de la création. Monsieur Diouf le rappelait, c'est l'idée qui est venue d'ailleurs d'un représentant marocain dans une réunion internationale en disant mais pourquoi on parle beaucoup de tisser des liens entre les pays francophones, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça via le sport et c'est eux les premiers qui ont été d'ailleurs organisateurs. À Rabat et Casablanca. Exactement, de la première rencontre sportive et culturelle concernant. Les Jeux de la francophonie, on a aperçu la pub derrière un peu dans le même style qu'on a évoqué tout à l'heure. Permis de gagner un total de 22 médailles. Son élite athlétique est particulièrement performante, notamment chez les dames. Ils seront une grande délégation de 99 participants. Le
représentant de sa nation est là, le Burkina Faso, tout sourire. Présent donc pour cette grande manifestation et l'occasion pour certains pays eh bien, d'être sur la scène internationale. Il y a environ une centaine de représentants dans cette délégation. Alors, si on parlait des langues, bien sûr c'est la langue. Voici maintenant le 60 langues qui sont parlées dans ce pays. Oui, donc, oui. Voilà. Mais parfois la langue française reste bien sûr la langue, on va dire, officielle. Le Burundi a répondu présent à 4 éditions du jeu. On arrive donc à sa 5e participation. Pays d'altitude, il aligne de bons coureurs de demi-fond. Ils sont une quinzaine et une des meilleures spécialistes mondiales du 800 mètres. Ils sont 17 à représenter le Burundi. Le Cambodge. Le Cambodge en est lui aussi à sa 5e participation et a remporté 2 médailles. Cette année, ses meilleures chances sont dans les disciplines artistiques. Ils seront 10 à représenter le Cambodge. Pour se rendre compte que, quelles que soient les parties du monde, eh bien, la présence de la langue française est réelle. Et d'ailleurs, elle s'accroît. Oui, elle a tendance à accroître sous l'impulsion de l'Afrique. Hein. Aujourd'hui, à peu près 50% des locuteurs français qui se trouvent en Afrique. Le Cameroun est un des participants les plus réguliers de la francophonie, encouragé par les 12 fédérés accrochés à Beyrouth. Il a eu de nombreuses délégations, tant en sport que dans les disciplines artistiques. Les Lions indomptables figurent invariablement parmi les favoris en football. Et bien sûr, ses athlètes dans multiples compétitions. Participants réguliers, bien sûr. Cette délégation est composée de 115 membres. Je suis en compagnie de Gérard Evans, journaliste spécialiste notamment de cette sphère francophone, et l'association journaliste à la télévision. Du Sénégal. Nafissa Tou, nous sommes en train de vivre ce défilé. Je salue une partie des téléspectateurs de TV5 Monde qui viennent de nous rejoindre. Grosse mobilisation en Afrique autour de ces Jeux de la francophonie. Rappelons que près d'un francophone sur deux dans le monde vit sur le continent noir. Tout à fait, plus précisément, ils sont 46% d'Africains donc à parler français dans le monde. Donc c'est le cas de le relever. On a vu une participation qui va être très très importante. Les délégations sont enthousiastes et cela augure justement que ces prochains jeux, que ces jeux, que ces présents jeux justement, eh bien, donc apporteront en tout cas toute la satisfaction attendue de l'équipe du Canada. C'est vrai que nous voyons le défilé, les athlètes qui succèdent. Voici le Canada, Gérard. Oui, une équipe du Canada qui a accueilli les Jeux de la francophonie donc en 2001, où on avait salué la présence record de 51 délégations. C'est pas absolument. C'est un pilier des en quelque sorte, le Canada. Et beaucoup de médailles, 213 médailles depuis le début de l'histoire, donc de 25 années de Jeux de la francophonie. Beaucoup de francophones dans cette province. Nouveau-Brunswick, autre délégation qui lui succède. Alors justement, le Canada Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue, alors que le Canada Québec, lui, est plutôt francophone. Le Canada Nouveau-Brunswick est bilingue. Et il participe régulièrement, lui aussi, bien sûr, aux Jeux de la francophonie, le judo, la lutte. Le handisport également, nouvellement inscrit au programme des Jeux de la francophonie, sera un de ses points forts. Et il a déjà un total de 15 médailles rappelées des précédentes éditions des Jeux de la francophonie. Alors, on reste dans cette terre d'Amérique du Nord francophone avec évidemment quel symbole, le Canada-Québec. Le Québec. J'avais dit que c'était un bastion de la francophonie, le mot m'a été ôté de la bouche, si je puis dire. Et ce pays, naturellement, a d'excellents cyclistes. J'ai eu l'occasion de les applaudir dans des compétitions en Afrique, autour du Rwanda en particulier. Ils sont capables de mener des échappées en solitaire et donc de faire beaucoup de dégâts. On verra ça demain, car c'est par le cyclisme que débute les finales ici à Nice. Nafissa Tou, on retrouve un revenant, un pays revenant dans un instant. Ça va être la délégation du Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert, Philippe, absent aux Jeux de Beyrouth. Donc au dernier jeu, il compte ce pays sur le football, le judo, le basket et l'athlétisme pour ajouter aux 4 médailles remportées en 3 participations déjà. Oui, une faible moisson jusqu'à présent quand on compare à d'autres, mais effectivement 4 médailles. La Centrafrique qui va arriver dans une seconde.
la Centrafrique aussi, hein, présente à chaque édition depuis 1994. Cette année, la composition de sa délégation est également répartie. Athlétisme. Les délégations qui se succèdent, je vous disais, pour cette cérémonie d'ouverture, nous sommes toujours place Masséna à Nice, au cœur du vieux Nice, et les délégations les unes après les autres. On parlait de la Centrafrique, effectivement. Oui, on parlait de la Centrafrique, et puis on parlait de sa délégation, on parlait des compétitions sportives et le concours culturel aussi. On aura le temps d'y revenir. Bien sûr, bien sûr. Ça sera aussi l'occasion pour la Centrafrique de décrocher encore plus de médailles. Belle délégation également présente ici avec nous. Sur le plan matériel. Et une forte mobilisation également de ce pays d'Afrique. Vous nous disiez que sur le continent d'où vous venez, on prenait ça très au sérieux. Oui, au Sénégal, on prend très au sérieux. Je vous parlais tout à l'heure des têtes d'affiche. Le disque Ababadji sera là. Entre autres, Kassé Anne, que Gérard connaît bien, sera là aussi. C'est vrai qu'Abeba Kekam ne sera pas là, mais voilà, ils seront quand même importants, les athlètes qui sénégalais, à participer à ces jeux. Petite délégation, celle de Chiffre, Gérard. Alors, qui a toujours été là depuis 9 compétitions. Oui, alors. 9 compétitions, donc autant dans le domaine sportif que dans le domaine artistique. Un bon équilibre pour ce pays qui parti pour la toute première fois, qui a parti pour la toute première fois au jeu de Beyrouth. Et donc qui a pris goût, qui revient. Alors, on voyage encore, on part aux Comores. Naturellement, les délégations par ordre alphabétique. Voici les Comores. Alors c'est une équipe assez modeste que celle des Comores qui n'a jamais encore gagné de médaille et qui espère que même personne. C'est 4 personnes. Première médaille. Les Comores. Ça peut toujours venir. Les Comores ont gagné une médaille au jeu des îles, simplement. Et c'est il y a quelques années de cela. Et donc, c'est un bon départ, en quelque sorte. Nafissa Tou, quel géant, le Congo qui arrive. Ah oui, le Congo, un très grand pays. Il organisera d'ailleurs les Jeux africains en 2015. Et donc, il vient avec des ambitions de titre, évidemment, si c'est le cas de le dire. Tout le monde aussi se souvient que ce pays a eu une brillante participation en 2009 lors d'une finale palpitante. Hein. Donc, le football et les aficionados du football, voilà, se le rappellent certainement. L'autre Congo, la République démocratique du Congo, le géant en quelque sorte. Oui, est inscrit notamment au concours de jonglerie et de peinture. Hein, donc, jonglerie qui fait partie donc des arts de la rue, de peinture, de l'art visuel, et participe aussi aux compétitions de tennis de table, de lutte et de basket entre autres. La RDC qui accueillait le dernier sommet de la francophonie, l'autre grand moment de la vie francophone. Des délégations très, très colorées, très festives, très mobilisées. Regardez, on danse sur scène ici au cœur de Nice pour montrer qu'on est vraiment déterminé à décrocher des médailles. Une centaine d'athlètes et de participants et d'artistes. C'est donc effectivement une très belle délégation qui a déjà gagné beaucoup de médailles, on peut le rappeler. Tout à fait. On va rester en Afrique, Nafissa Tou. Avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va nous rejoindre. Et dont le président est présent, Alassane Dramane Ouattara. Et il y a Muriel Aouré, là, regardez là. Ah oui, elle a fait une belle participation à Moscou. Et championne du monde.